Hey, 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 bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode des Enfants Parfaits. Et on commence avec Lilith. Oh, la Lilith, elle s'est transformée en camionneuse, hein, avec la grosse voix. Bon, alors, John vient de faire ses petites scrapulades avec Lilith. Il est agréablement satisfait. Et je pense que mademoiselle est peut-être encore en Santa. On est samedi, c'est le week-end pour les enfants, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller à fond sur leurs compétences, leurs qualités personnelles. Et donc j'en avais parlé la dernière fois. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, ça va continuer. Ouais, voilà, ils vont devenir ados dans très très peu de temps, mais c'est pas pour autant que je laisse tomber le challenge, parce que pour moi, je veux qu'ils soient tous remplis dans le verre au plus haut possible. C'est un sacré challenge, hein, je le sais. Et pourquoi toi, tu dors pas? Voilà. Ils vont grandir et je vais continuer. Vous voyez, là, je sais que Cécile, il faudra faire plus sympathie, les manières, tout ça, parce que là, les contre-émotions, elle est plutôt pas mal. Donc, c'est un challenge longue haleine, mais on va y arriver. Et je disais donc, je vais faire un focus sur des enfants en particulier. Bien sûr, je vais m'occuper de tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire peut-être Louise et Philippe. Voilà, ça, je les prends les deux à la file indienne ici. Et on va essayer d'être de leur améliorer le plus possible tout ça. Quitte à acheter 40 000 tables pour qu'ils fassent les. Qu'ils mettent la table. Pour redorer mes manières, tout ça. Donc voilà, ce sera focus. Louise, Philippe, pour aujourd'hui. En attendant, on a Lilith qui sait pas quoi faire là. Elle attend que le déjeuner se fasse. Elle se dit, je suis enceinte ou pas? Je suis enceinte ou pas? Et on va de toute façon aujourd'hui samedi aller chez elle pour rendre visite à notre petite Cécile, qui est donc la fille encore de John qu'il a eu avec Lilith que nous voyons ici. Donc encore une Cécile. Voilà pour l'instant. On a Nicolas qui vient de se lever. Nicolas a besoin de faire pipi. Nicolas, Nicolas. Ah, elle a été gerbée, je crois. Dis ça pue, bah écoute, t'as qu'à pas gerber dans les toilettes, hein, ou tu peux nettoyer juste derrière, hein, ça nous arrangerait, non? Nicolas, donc t'as bien dormi. Toi, je sais que normalement, je viens de dire focus sur les autres, mais bon, tant qu'il est tout seul, autant faire. Non, on va te faire. Ouais, on va te faire bosser le kit médecin à fond. Voilà, pour te faire monter ton empathie. Vas-y, Nicolas. Voilà. T'as beaucoup d'empathie à faire monter. Pour l'instant, il est le seul debout. Et Lilith a décidé de stationner maintenant devant les toilettes. C'est normal. Avec les petites mouches et le petit fumet qui va bien. Ma meuf, vas-y, tu peux faire le ménage aussi, hein. Ça ne dérange pas. Louise est debout, Louise est debout. Tararara. Alors Louise. Louise passe par une phase, elle est peau de colle et lâche pas son gardien préféré d'une semelle. Tu dois augmenter tes manières, ton contrôle des émotions, ton empathie, ta résolution de conflits. Ouf, 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 ouf. Alors tu vas débarrasser ça, puis tu vas mettre la table sophistiquée bordure. Entre dans une phase. Non mais allez, commence pas à nous casser les pieds. Tu vas faire tes man les manières après c'est être gentil avec les gens, c'est faire des compliments. En faisant la vaisselle, ah! Ah oui, donc c'est pas bien si je jette toujours la vaisselle à la poubelle. Faut qu'elle fasse la vaisselle. Ok. Ouais, non mais des fois, non mais je lis sans lire en fait, je sais pas si ça vous arrive aussi mais... Faire la vaisselle. Présentation amicale et compagnie. D'accord, tu vas faire des présentations amicales. Amicales. On va t'augmenter tes manières, ma petite. Et nous avons Paul qui se réveille. Paul, il a faim, faim. Et bah, tu sais quoi, c'est super. Parce que. Bon, tu vas aller aux toilettes aussi avant. Et tu vas manger. Ça, tu comme ça, Louise, elle pourra faire la vaisselle. C'est horrible.
Les gosses, on va les mettre au bagne, ils vont faire le ménage et tout. Lily t'a découvert que Richard, que Lily, eh, Lily t'a découvert que Lily c'était une assassin. Bah écoute, toi t'es une vampire, ma gosse. Qu'est-ce quoi? Découverte et découverte, mon ingénieux déguisement a été découvert. Bah oui, ingénieux, t'es toute bleue. Tu peux essayer de calmer, dénigrer la colère? Ben non. Amical. Discuter de la colère. Bah... faire connaissance. Tu peux pas la complimenter? Pourquoi elle est en colère, Lilith? Qu'est-ce qu'elle a comme problème encore dans sa vie? Elle doit pas aimer les extraterrestres, Lilith. Aurélie! Aurélie! Tu dois faire pipi! Ça rime en plus. C'est cool. Bah, tu vas faire pipi. Après, contrôle des émotions, résolution de conflits, empathie. Tu vas jouer au docteur un petit peu. Tu vas écrire dans ton journal intime. Essayer de calmer. Ah oui, c'est vrai, ça c'est le contrôle des émotions, je crois que ça fait. Oula. Faut pas énerver trop une vampire parce qu'après elle te bouffe. Hein. Oh, choupette. Ah, l'empathie augmente. S'excuser. Voilà, résolution de conflit. Ça monte. Niveau 7 des machins. Putain, ça arrête pas. Confie, c'est vraiment embarrassant. Alors, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, t'as rien à faire. Alors, tu vas faire la vaisselle. Ah ouais, il n'y a pas d'évier. Mais oui, je n'ai pas mis d'évier. Ils peuvent pas faire la vaisselle, ils ne veulent pas dévier. Ouais, mais est-ce que ça m'énerve qu'ils aillent se laver les mains toutes les 30 minutes, toutes les 5 minutes, même, je dirais. Hop, un petit évier, comme ça, ce sera exprès pour faire la vaisselle. Tu vas nettoyer, mon petit Paul. Oui, Paul. Elle va écrire, elle va contrôler ses émotions. Lui, il va augmenter ses manières. Normalement. Ah, John a été promu. Poil au cul. Alors, promu au poste de créateur de vidéos de chat. Miaou! John a été promu. Il gagnera 21 simflouz de plus par heure, soit 56 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu un bonus 181, l'affiche Big Block, l'affiche Ilcock, affiche My Sims Go, diffuser des séances de jeux vidéo en direct, enregistrer les fulminations, crier depuis un endroit. Alors, samedi à 10 h. C'est-à-dire qu'il bosse là maintenant. Bah oui, mais je dois rien y aller. Bah oui, Lilith, t'inquiète. Il doit taffer aujourd'hui, quoi. Mais non, je suis pas d'accord de voir 10 000 abonnés à partager des blagues avec ses abonnés ou troller les forums. Bah ouais, mais nous, on avait prévu d'aller chez Lilith, quoi. Mais barre-toi! Regardez des vidéos amusantes sur Sims TV pendant 2 h, gagner de l'argent en faisant de la publicité pour un produit peu important. John, tu vas te réveiller. Oh là là, il est pas bien. Tu vas prendre une douche. Tu vas déjà mettre à jour ton réseau social. Mettre à jour. À tout à l'heure, Lilith. On va passer à la maison quand même, hein. Je suis désolée, mais... Bon, alors j'ai l'impression que tous les marmots presque sont levés. Toi, tu joues avec ton truc. Contrôle des émotions va remonter. C'est ça, t'as raison. Toi, t'es encore avec ça. Toi, demander conseil. Pourquoi c'est sale à la maison? Pourquoi il s'est sale? Je sais pas. Il est pas content. D'accord, bon, bah d'accord. Bon, résolution de conflit manière. Ils peuvent nettoyer les trucs, les enfants? Non, il peut faire que la vaisselle. Tu vas refaire ton empathie. Un petit peu. Alors,
Ah, Philippe est debout, dis donc, c'est lui que j'ai raté. Philippe, contrôle des émotions, empathie, résolution de conflits. Et manière aussi, un peu quand même. T'as besoin de quoi? T'as peut-être un peu faim. Donc tu vas faire ton empathie. Go, mon petit. Louise, Non, non, mais tu reprends ton truc? Oui. Tu vas mettre la table avec les contractés bleus. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche un peu. Du coup, tu vas écrire dans ton journal intime, écrire dans ton journal intime et se remémorer des choses. Ça va augmenter. Philippe, lui, fait ça. Lui, fait ça. Enfin, il fait rien. Manière. Illuminer la journée. Complimenter. Oh là, je pense que la togue Charlotte vient de se lever. Tu as besoin de quoi? Peut-être aller juste au pipi room. Mais il faut que tu contrôles beaucoup tes émotions et tes manières pour l'instant. Bon, eh ben c'est bien, venir contrôler les émotions. Ah, mais c'est vrai qu'elle avait son truc qui avait disparu, elle. Je vous jure. Hop. Oh non, on va prendre celui-là. Voilà. Ah oui, si je fais pas en mode vie, ça va être compliqué. Parce que tu nous as buggé la dernière fois, tu nous as rangé ton. Tu nous as perdu ton truc. Voilà. Ils sont bien sages, tous ces gosses. Cécile, t'as l'air de t'ennuyer, ma petite. Tu es confiante? Eh, son contrôle des émotions, il est bien. Mais résolution de conflit et manière, pas top top. Faire pipi comme une championne, tu peux pas nettoyer, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, les manières, à part présentation amicale en mettant à la table, faisant la vaisselle ou en faisant des compliments. Ouais, tu vas faire des compliments. Beaucoup de compliments. Si je trouve, bien sûr. Non, mais c'est quand ils sont en vert, en fait, quand ils vont bien, qu'ils peuvent faire. Raconter une histoire incroyable. Parler de l'école, au moins, ce sera toujours ça de fait. Voilà, ça se contrôle des émotions. Elles écrivent à travers l'assiette, quand même, hein, c'est. Faire ça. Mon jeune, allez, c'est bon là, la douche. Faut que tu bosses un peu, hein. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Mets à jour ton réseau. Tu vas gagner un peu d'abonnés. On va 20 abonnés, c'est pas énorme. Gagner de l'argent en faisant la publicité pour un produit peu important. Alors, faire de la publicité, on va voir. Ça, une fois, ça n'avait pas marché du tout, hein, qu'on était un peu dans le caca. Et puis, web. Voilà, on va regarder des vidéos amusantes. Ouais, parce qu'après, il va falloir qu'on aille quand même chez Lilith. Ah oui, alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Cécile. T'as l'air d'être dispo et toi aussi. Discuter des fractions, oui, si tu veux. Parler de l'école. Et si tu peux, s'il te plaît, de faire des compliments au bout d'un moment quand même. Lui a une amitié exceptionnelle pour toujours. C'est vrai qu'elle est très sociable. Lui a son amitié avec trois autres enfants. Deux adultes, ok. Bah non, je veux que tu fasses des compliments. Oh là, cet endroit, ce sera déjà pas mal. Toi, résolution de conflit.
Elles sont très bien en fait, hein, donc elles s'entendent bien. Je peux pas les faire améliorer. Ah, si tu peux améliorer, complimenter, complimenter. Je sais, je fais plusieurs fois la même chose. Ah bah, et recomplimenter. Non, pas quand même pas. Illuminer la journée, ce sera déjà pas mal. Charlotte la thug. C'est bon, elle va écrire encore dans son truc. On est bien, on est bien. Il y en a un qui est pas bien. Qu'est-ce qu'il a? La poupée est malade, joue au docteur. Non mais n'importe quoi. Alors, cadeau raté. Influence et manières. Bah justement, plus je suis sur lui. Donc influence et manières. Faudrait qu'on influence la résolution de conflit. Et les manières diminuent. Crotte. Ouais, mais bon, les manières, ça va, c'est pas. John est allé en compte de ses principes et des bénéfices de 500 centimes plus, mais il faudrait peut-être mieux éviter ça à venir. Il a perdu 143 abonnés. Ok! Bon, alors, les enfants vont bien, on est plutôt pas mal. Les deux filles, là, elles vont discuter. Illuminer la journée. Résolution de conflit, ouais, mais elles sont déjà bien, quoi. Enlacées, voilà. Toi, tu veux toujours pas faire de compliments, Cécile, parce que bon, quand même. Elle est pas déjà en immunité exceptionnelle, elle? Non. Ah, tu vas faire, toi. Nicolas, il va mieux. Décrire un ami imaginaire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent meilleurs amis, c'est bon. Enlacés tendrement. Elles sont perdues de vue, elles sont plus meilleures amies. Oui, bah tant pis. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas bossé? Oh, mais il me casse les pieds. J'ai dit. Déjà, web. Et tu vas remettre à jour. Dépêche-toi. Waouh! Charlotte, niveau 10, compétences, créativité. Bien, ma petite. Ton contrôle des émotions. Ah, témoin de maltraitance. Des enfants étaient méchants avec un de mes amis. Et je suis pas sur elle. Non, tu vas trouver la meilleure. Résolution de conflit. Ah, zut. Zut, zut, zut! Allez, faut peut-être les faire discuter ensemble. Lier une amitié. Bah oui, on va tous lier une amitié exceptionnelle tous ensemble. Complimenter. Ah, ça y est, il commence à avoir des compliments pour Paul. Illuminer la journée. Complimenter. Illuminer la journée. Mais elle est toujours. Elle est confiante en fait. Elle est pas. Avec qui ça s'entend pas très très bien. Avec Nicolas. On va essayer d'améliorer. Recasser une histoire inventée. On va essayer de faire ça. Faire l'imbécile. Bon, voilà, un petit conglomérat d'enfants qui discutent. Ils sont tout mignons, j'ai hâte de les voir à dos. Toi, tu fais pas ce que je te demande. T'as fait que une heure. Eh, hey, franchement, là, il faut que tu fasses en temps, en heure, là, parce que tu m'énerves. Tu vas partager des blagues si tu veux. Et tu vas re-web vidéo amusante sur Sim TV. Dépêche-toi, John! 9 créativité pour Cécile. Voilà. Alors, Cécile, elle est toujours confiante. Elle peut toujours pas faire de compliments. Elle raconte une histoire incroyable. Décrire l'imaginaire. Putain, mais elle est vénère, la petite, là. Il faudrait qu'on la calme. Toi, tu vas peut-être la calmer. Complimenter. C'est au moins ça.
Illumine la journée. Si ce que difficulté sociale, je ne sais plus parler. Ah, voilà, les manières, elles augmentent, hein. Suffit de faire un petit. On va manger des petits pois. Tu vas, est-ce que tu peux faire. Je pense pas parce qu'elle est confiante aussi maintenant. Parler de l'école. Amical. Est-ce que tu es son intérêt? Vraiment, on les a toute la journée là, mais c'est un peu compliqué parce que. Pour leur faire faire. Ah, il y en a qui pourront faire la vaisselle! Oui, bah, tu vas manger après. Ça, il y aura de la vaisselle à faire, les enfants. Qui va faire la vaisselle? Entre Paul et. Ah, bah Louise et Manière, elles ont bien augmenté ou c'est moi? Je sais plus, il y en a tellement qui. Ce sera Philippe qui va faire la vaisselle! Il va se laver les mains. Tu vas pouvoir nettoyer ça, mon petit, après. Tu vas augmenter tes manières. Et il a perdu aussi. Non, mais c'est bon, quoi, le. Les journaux intimes, là. John! Il me pète les noix, lui, hein. Je t'ai dit de faire ça, à un moment donné. C'est hallucinant. Je vais lui faire faire deux fois, comme ça, au moins. Dès qu'il a fini, on file chez Lilith. Mais du coup, toi, t'as mis où ton journal intime, gars? Putain, mais on perd tous ces journaux intimes, là, ça me saoule. J'en ai marre. Ah non, mais c'est chiant, en fait. Enfin, bon. Voilà, je lui ai mis son petit journal intime, il va pouvoir le reprendre. J'en ai... C'est un nouveau, hein, parce que bon, si on n'a pas trop le choix. Après, il contrôle bien ses émotions avec... Avec la petite chouette Charlotte. Tu vas faire quoi? Ah bah c'est bien, tu vas jouer au docteur. Tu vas faire ton empathie, c'est très bien. Cécile, elle est joueuse. Tu peux toujours pas faire de compliments. J'ai dit Louise, c'est Cécile. Je sais pas. Elle mange des chips. Résolution de conflit, c'est pas ça. Complimenter. Complimenter. Oh là, Cécile, elle est malade. Complimenter. Alors moi, les manières, elles vont augmenter en flèche. John, est-ce que tu vas... Oui! C'est bon, tu peux arrêter, tu peux manger. Et puis après, on va filer chez Lilith. Compétence 7, créativité. Qu'est-ce que t'as mal à l'aise avec les inconnus? Mais non, il y a pas d'inconnus ici, c'est tous tes frères et sœurs. Peut-être Nicolas qu'elle connaît un peu moins. Discuter des centres d'intérêt. Comment s'est passée la journée? Ah bah elle a fait ses devoirs toute seule. D'accord. Mais je pensais qu'elle était partie jouer. Qu'est-ce que tu me fais, Charlotte? Ah, il y a un truc à nettoyer ici. Qui c'est qui a besoin de faire les manières? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que t'es avec Charlotte? Charlotte, tu vas nettoyer ça, du coup. Et après, tu vas mettre la table. Sophistiqué, triangle. Allez, hop. Mais lui, il fait à manger. Fruits et yaourts, d'accord. Ça te fait plaisir. Voilà. Tu vas complimenter ton papa. Tu vas complimenter ton frère. Tu vas complimenter ta sœur. Bon, par contre, Louise... Mais elle est bizarre cette fille, pourquoi elle est... Repas équilibré, zut, on n'est pas sur elle.
Quelqu'un m'a dit que vous pouvez manger de la terre. Influence et manière, bien sûr, c'est petit. Vas-y, c'est amusant. Cadeau raté. Hop. Ouais, bah écoute. Elle contrôle ses émotions. Jouer avec émotion. Ouais. Ouh là là! Oui, bah oui, c'est ce que je viens de faire. Non, mais... Complimenter. 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 On est bien, on est bien. Louise, est-ce que ça va mieux? Tu vas illuminer la journée. Tu vas complimenter. C'est moqué des adultes, d'accord. Illuminer la journée. Tu vas discuter avec ton frère. Et complimenter. Et après, tu peux aller nettoyer ça, s'il te plaît. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? 9 éducation, les manières de Louis sont compatibles avec l'obtention du trait de caractère bien élevé. C'est au moins ça de fait. Philippe. Philippe, tu peux du coup nettoyer aussi. Avant que ta soeur le fasse. Ah, elle doit aller aux toilettes. Bah, écoute, vas-y. C'est pas grave, on attendra pour les manières, c'est ton frère qui va le faire. Non, 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 et... Oui, bon, on va le laisser faire. Qu'est-ce que t'as, Lilith? Oui! Oui, on y va! Allez, on y va avec toute la smala. Eh ben, on en profite, hein, comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà, les enfants! Donc, elle est où? Oh, il y a Calebou! J'avais oublié que dans cette partie, Calebou, il est encore là. Alors, les enfants... comment je vais m'organiser? Déjà, où est notre fille? Lilith, elle dort. Ah, elle est là! Trop cool. Tu vas la nourrir, tu vas la bercer, tu vas lui parler. Elle est jolie cette maison finalement. Et tous les enfants vont venir se présenter amicalement. Amicalement, parce qu'il faut qu'ils soient bien élevés. Amicalement, amicalement, défiler des gosses quoi, amicalement, amicalement, et amicalement. Alors j'espère que t'es prêt Caleb, parce que là il va y avoir un défilé. Hein. Ça John il va s'occuper de sa fille. Et tout la smala, bonjour Caleb, bonjour Caleb. Oh la vache. Voilà, ça les manières, elles augmentent. Caleb a découvert que Louise était un extraterrestre. Ah bah c'est bien. C'est bon, tout le monde s'est présenté. Par contre, ça se passe pas bien non plus avec Caleb. Donc. John! Il s'occupe de sa fifille et tu vas la faire grandir pour voir à quoi elle ressemble. Ça va, il y a de la place hein, dans la maison. Oh, elle a les cheveux noirs comme sa mère. Fais-nous voir. Oh. Oh la vache. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Hein. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Oui, les mêmes cheveux, les mêmes yeux. C'est dommage, elle a rien pris de Calebou. De Calebou. De John. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine. Tu vas illuminer la journée. Tu vas raconter une histoire. Bon, après, elle aura pas de lit, la petite, hein, mais pourra dormir toujours. Il y a de la place quand même. Il y a quand même pas mal de place dans la maison, donc c'est bien. Après, est-ce que toutes les gamins ils pourraient venir se présenter à leur petite sœur. Les chouquettes. Mais j'en ai marre des gosses qui aient des... Comment dire?
Qu'ils ont des chapeaux. Hop. 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 Et hop. Discutez, Coralie Louise, machin. Et à toute la smala qui va monter. Salut, petite sœur. Encore une. Il y a déjà 7 gamins à la maison, mais John aime semer à tout va. Voilà, comme ça, toi, tu vas augmenter tes manières. Non? Tu t'es présenté à ta... Amusante, oui. Amicale. Si vous êtes buggés, les enfants? Voilà, les manières augmentent. Louise. Ah, Louise, elle fait le bazar. Oh, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. John. Faut que t'engueules, Louise. Ah non, mais là, éducation. Discipline et comportement récent. Ferme de pas mettre le bazar. Oh, là, sa responsabilité qui chute. Et c'est Charlotte qui va aller nettoyer. C'est pas bien, Louise. C'est pas parce que t'es une extraterrestre que tu dois te permettre de faire n'importe quoi chez les gens. Ok. C'est bon, sa responsabilité remonte. Sa résolution de conflit, son empathie, c'est pas encore ça. Bon, ça va. Les enfants, vous êtes sages. Par contre, ils sont pas venus dire bonjour à leur sœur, leur petite sœur, donc... Ouh là là. Il y en a que deux. Quel ébou, ils s'occupent... D'ailleurs, est-ce qu'ils ont tous dit bonjour? Ouais, tu vas complimenter. Tu vas illuminer la journée. Toi aussi. Non, toi t'es joueuse. Mais tu vas quand même te présenter à sa sœur. Toi, tu vas te présenter à ta sœur, tu vas peut-être parler à Calibou. Parce que bon, il y en a une... Va la réveiller. Peut-être qu'elle aura un petit bidon. Au pire, on pourrait remettre ça dans la chambre, c'est pas grave. Ça pourrait comme ça avancer sur la chemiblique. Conglomérat. Ah. Les manières d'Aurélie sont... Oui, super. Disons que tout le monde ne connaît pas Lilith. Donc, on va aussi en profiter pour se présenter, tout ça, quoi. Notre mère d'adoption. Ah, je peux pas cliquer. Tu peux te présenter à ta petite sœur. Ça, c'est fait. Amical. Illumine la journée. Amical. Je pense que là on est bien. On est plutôt pas mal. Par contre, elle a pas l'air d'être. D'avoir un petit bidon. Lui prend un bain. Oh là là, John, ça va pas. Hein. Tu viens ici. Il est 20h en plus, donc ça va commencer à être. Tard. On va faire rentrer les gosses. Est-ce qu'on a bien avancé sur Louise? On a avancé, il faut toujours son contrôle des émotions, résolution de conflit. Oh là là! Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce qu'il a fait. Ses responsabilités sont descendues. Manière augmente. Tu peux complimenter toujours ta sœur. On a besoin de remonter les... Alors, John. Tu vas faire crac-crac à faire un bébé avec Lily Toon. T'es complètement dans la pièce où il y a tout le monde, quoi. Tout va bien. Attendez, il y a tous mes gosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il en manque un. Ah, Louise! Oh, Louise! Saloperie! Ah, quelle sale gosse. Allez, dépêche-toi.
Ah, j'entends la petite musique. Tu peux écrire dans ton journal intime en attendant que papa finisse ses galipettes. Tout va bien, ça se passe bien là-haut. Ok, les manières augmentent. On est sur Philippe. Les manières. Tu vas faire connaissance. Tu vas te dire des choses gentilles. Finalement, ça passe vraiment trop trop vite une journée. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Il est bien en fait. Il a pas. Bon, il n'est pas encore au top top. Mais bon, tu vas discuter du coup. Écrire un imaginaire. Les garçons, ils rigolent entre eux. Tu vas complimenter. Tu vas illuminer la journée. Moi, tant qu'à faire, je veux bien faire un focus, mais dans ce cas-là. Voilà, comme ça il fait aussi connaissance, il fait des. Tu as illuminé aussi la journée de Calebout, complimenté. Le mec il se reçoit 15 compliments à la seconde, quoi, tout va bien. Enfin, on la sait, peut-être qu'avec Charlotte, Charlotte si tu lui fais un compliment, il va être content. J'entends des cris. Non? Ah, c'est la petite qui fait. Oh, oh. Donc ce serait à John d'aller. Mais bon. Là, il est occupé, John, donc. Est-ce que tu vas toujours pas bien. Fais-lui une petite blague, du coup. Illumine la journée de ton frère et il y aura peut-être mieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. Elle écrit. Raconter une histoire idiote. Cécile. Voilà, ça se passe très très bien dans la chambre. Ah, c'est Caleb qui nettoie. Parfait! Bon, ben sur ce, on va peut-être y aller quand même. Et tu vas partager un secret. Et tu vas. Au revoir. Discuter sans intérêt. On la sait tendrement. Oh, c'est trop mignon! Ah, punaise, ils sont tous malades. John, est-ce que tu couds, tu peux te lever? John, t'as l'air de puer. Alors, attends, on va aller aux toilettes avant. Tu vas aux toilettes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mal de dos, lit de mauvaise qualité. Oh bah dis donc, les vampires. Oh, il est crade! Oh la vache! Le gros cracra de sa mère, quoi. Oh ouais, il pue la mort. Bah ça, faire des galipettes deux fois de suite, ça épuise et puis ça salit un petit peu quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Bon, alors Jade, au lieu de lui se laver les mains et tout et compagnie... Compétence 10, oh là là, trop bien. Compétence 10, créativité pour Louise, on est plutôt bien. Et là, on va rentrer à la maison directement. Allez, go, la Smala, on rentre. Tout le monde vient avec vous. Oui. Alors, on est rentré. On va. Bambin qui grandit. Ah oui. Alors, est-ce que toi, t'as besoin? Ah, punaise. L'épisode prochain, ça sera l'anniversaire de tout le monde. Au niveau manière, t'es bien, donc t'as pas besoin de faire la vaisselle. C'est toi qui vas faire la vaisselle. Voilà. Toi. Après, je vais peut-être les laisser faire un peu ce qu'ils veulent, parce que là, il est tard. On va quasiment tous faire les faire coucher. On est bien avec Aurélien. Malheur et responsabilité, c'est bien. Hein. De toute façon, ils sont tous responsables. On est. Par contre, c'est vraiment pour les autres trucs que ça va pas. Qui c'est qui est au plus bas en résolution de conflit? Je veux dire, c'est pour l'instant c'est Cécile. Alors Cécile, ma petite, tu as faim. D'accord. D'accord. Papa, il va faire à manger. On va servir le dîner. Le macaroni au fromage. Il va faire des macaronis au fromage. Akira Kibo, il y a une super. Non, on s'en fiche.
Ah, il y a quelque chose qui a été cassé. On va augmenter l'empathie chez ma petite Louise. Voilà. Philippe. On va. Ouais, il y a aussi l'empathie. Alors, tu vas le faire aussi. Tant pis. Tant pis si vous avez faim. Toi, tu vas aux toilettes. Toi, tu vas contrôler tes émotions. Donc, tu vas réécrire dans ton journal intime. Elle est partie se coucher. Elle en est bien avancée, de toute façon. Donc, je vais quand même la faire écrire dans son journal intime. Lui, il est parti se coucher aussi. Mais toi, ça va pas trop, hein. Va prendre une douche avant. C'est crade, hein. John, il fait à bouffer, il en a mis partout. Puis tout le monde est malade, c'est génial. 8 compétences cuisine pour John. Il va appeler tout le monde à table. Voilà, comme ça au moins tout le monde va aller bouffer un peu. Et on sera bien. Toi. Tu fais n'importe quoi, Paul, hein? Ouais, lui, il va commencer à avoir faim. Moi, bon, lui faire remonter l'empathie, c'est tout aussi important. Toi, tu vas venir manger. Et papa, il va t'apprendre la résolution de conflits qui est pardon. Il me semble qu'on l'avait déjà essayé de lui faire apprendre à dire pardon, mais. Si j'arrive à cliquer dessus. Plus de choix, éducation. Apprendre à dire pardon. Voilà. On va peut-être avancer là-dessus. Et puis après, ce sera tout le monde au lit. Parce que sinon, on va être craqué. Bon, ça fonctionne. Tu dois avoir le cœur sur la main. Oh, Nicolas, il va faire la vaisselle. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Ça me plaît tout ça, ça me plaît. Il y en a encore qui doivent manger, ouais. Mais écoute, toi, t'es bien. Voilà, tu fais des compliments. Paul augmente ses. Vas-y, tu peux aller te coucher après ça. Charlotte, elle va manger. Louise. Mais Louise, tu viens manger, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas manger sur ta table de dessin? Je vais nettoyer, tu vas être couché. Alors, est-ce que ça a bien remonté, toi? Pff, pas trop. Mais contrôle des émotions, manière, on est quand même pas mal. Ouais, va te coucher, t'as raison, je vais les laisser vivre un peu, je vais les laisser se coucher, manger, faire ce qu'ils ont besoin, parce que là... Oh Paul, mon pauvre Paul. Mange, après tu vas aux toilettes et après tu vas dodo. Mais mange, idiot! Oh là là! Des fois, ils sont pas très judicieux, je dirais. Elle a fait la vaisselle. C'est très bien. T'iras aux toilettes et au dodo. Toi, t'iras te coucher. Et Louise. Louise, elle finit de manger et au dodo aussi. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui a pas mangé. C'est Philippe. Bah oui, c'est vrai, il a pas fini son assiette. Bon, tu sais quoi, Philippe? Avant d'être couché, tu vas tout nettoyer. Ça, ce sera fait. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Charlotte, c'est bon, Charlotte. T'es mignonne, tu vas être couchée tout de suite. Ce sera bon pour la prochaine. Si tu veux, tu pourras faire la vaisselle la prochaine fois. Allez, zou! On est bien!
Ça remonte, maintenant tu peux aller te coucher. Moi, je vais éteindre la musique. Hop. Et je vais du coup vous laisser là-dessus. Je pense que je prendrai aussi peut-être une femme de ménage parce que là, ça commence à pas pu aller du tout dans la maison. Alors, déjà, tu dors, pas juste une sieste, mon petit. Allez, Zou, dépêche-toi. Et on est reparti pour dormir. Moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour ce long épisode. C'était normal, c'était un samedi, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, les enfants étaient là tout le temps. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!